Nadim, si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est pour une tâche importante. Zizou, de même. Rémi, très important. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un cas très important. Les gars, comme vous savez, nous avons fait la rencontre, les mecs, d'une personne qui s'appelle Tanguy. Ok. Et son nom, cette personne est très importante aujourd'hui. Et du coup, on peut pas laisser Tanguy en tant que SDF, ok? On peut pas laisser Tanguy vivre dehors, les mecs. Donc, j'ai une mission pour vous. Zizou, Rémi, Nadim. J'ai une mission pour vous les mecs. Moi, je vais partir pendant 3-4 jours, ok? Donc je ne serai pas là. Donc Zizou, je te nomme directeur. Rémi, tu seras sous-directeur, ok? Et Rémi, tu seras employé. Mais ça, c'est Nadim. Ah, pardon. Nadim, pardon. Toi, tu seras... employé. Voilà, toi, tu vas être l'employé. C'est-à-dire, je ramène tout ce qu'il veut au chef. Exactement. Les frérots, juste avant que je parte, parce que je vais partir demain, donc là, on est la veille au soir. Vous allez construire une maison pour Tanguy. Ok, vous allez construire une cabane bien solide, bien renfort, pour que ce petit homme puisse vivre convenablement. Tanguy, t'entends mec ou pas? On va construire quelque chose pour toi mec. Ok, ok Tanguy. Donc, Rémi, je compte sur toi. Zizou, je compte énormément sur toi. Ok. Nadim, je compte sur toi aussi mec. Nadim. Ouais. Ok. Ça c'est le maître. Non, c'est une mission importante mec. Ok. C'est pour Tanguy. Bah, il pourra dormir chez lui. Donc il faudra quelque chose de solide et qui tienne sur le temps, les mecs. C'est ok? Je peux vous laisser cette mission? Et du coup, moi, les gars, mon retour, on va découvrir tout ça ensemble. Je vous laisse la caméra. Oh, c'est qui lui? Non, que pour Tanguy. T'inquiète, Tanguy. Que pour toi, mec. Ouais. Bon, les mecs, le général nous a donné une mission. Wesh, les frérots. Non, y a pas de wesh, les frérots. Aujourd'hui, c'est un jour important. Important pour Tanguy. On va devoir s'occuper de Tanguy. D'abord, on va le laver. Après, on va construire la maison. On a pris du shampoing de. Du shampoing de chat ou je sais pas quoi là. Non il t'aime pas Rémi, il t'aime pas. Même pas, mais c'est pas. Mais il va partir direct. Tout doucement comme ça. Mais Tanguy, ça va Tanguy, voilà. C'est bien Nadim. Voilà, tout doucement Nadim. C'est encore, vas-y. Il est beau, il est beau. Le... Là, attends, le visage, nettoyez le visage. Attends Nadim. Il avait des traces dégueulasses sur les yeux là. Voilà. Non, ça y est, ça devient propre, tout doucement. Il n'y a plus rien. Tiens, bébé, le... oh bébé. Voilà, bravo Nadim. Maman. Voilà. Il est beau là, comme ça. Ah oui. Non. Maintenant qu'il sèche, cabane. On va aller préparer la cabane. Lâche-toi, Michel. Bon. J'ai un stylo pour faire les mètres. Bien joué. Bon, depuis, quand il a pu sécher, là, il est Gucci, là. Allez, viens là, Tanguy. Comme le skin Gucci de Fortnite. Nadim, tu vas me dire où elle était déjà sa cabane. On va essayer de faire un truc carré. On va faire un truc de notre côté, je pense. Et ensuite, on demandera au papa s'il nous aide parce qu'on est vraiment des clochards. Donc sa cabane, elle était là, du coup. Elle était là dans l'arbre. Donc il rentrait dans l'arbre là, il allait dormir dedans. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose là, Nadim. Et ben, on va devoir lui faire un nouveau lit, des nouveaux meubles. Je t'avais pas dit, mais j'ai appris à grimper. Dans sa cabane? Oui. Vas-y. Tanguy. Quoi? Tanguy. Ah, lui, tu lui as appris à grimper? Oui. Vas-y, on appelle le voilà. Vas-y, appelle Rémi. Oh, je suis beau. J'y crois pas tellement, je suis beau. Là, tu te dégoûtes. Bon, les mecs, moi, je suis malade. Donc, ça va être surtout à vous de faire les choses. Moi, je vais vous donner les plans. T'es pas du tout malade. Si, je suis malade. D'abord, Nadim, ramène-moi un verre d'eau. C'est pour Tanguy. Je pense, Rémi, on va la faire ici, la cabane. Là. Parce que là, en ce moment, Tanguy, il se pose tout le temps de là. Parce qu'il y a assez de froid. Il se pose juste là, et du coup je pense qu'on va lui faire là. Hop. Merci. C'est du robinet ça. Ouais. L'emplacement de Tanguy, ça va être ici, on a dit. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour que ça soit plus stylé? Déjà je pense qu'on va faire du ménage. Non, j'ai tout ça là-bas là. Oh non, il s'est passé. C'est bien les mecs, allez. On nettoie. Tanguy, ça va être pour toi, ça. Hey, nettoie. Non, pas assez propre. Attendez, monsieur Nadim le bricoleur. Allez-y. Notez le diamètre du salon. 8 mètres. 8 ? 10. 10 ? Ouais. Et le rayon ? Ouais, mais frère, si tu fais pas le rayon... 15. Alors je pense qu'on va opter pour un salon ouvert sur la véranda. Et la porte? Vas-y, fais la porte. Elle va être en mode
Gronde, gronde, comme ça. Gronde comme ça. Ouais. Attends, attends, foncez pour le toit. Attends, cherche. Vas-y, cherche. Le toit, il va être... Bois-feuille. Bois-feuille. C'est-à-dire le bois, il va être en premier et les feuilles... Ok, moi déjà j'ai deux trucs ici. Bois et un caillou. On fait quoi avec ça? Bois, c'est... On n'a pas besoin. Okay. Il faut, des branches, des petits, des gros, des moyens branches. C'était mon idée. Il faut prendre plein de petits bouts de bois. Non, plein de cailloux, la même taille. Et on va faire une maison comme ça. Hop, 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 carré. Ça c'est pas mal ça. Diamètre 8 et de 18... Non, diamètre 10. 10 et rayon, on avait dit quoi? 16? Ouais. 16, voilà. En 15. Hop, comme ça. Et après on voit. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, on va chercher les cailloux, vas-y. Son idée, il a plus éclaté. Non, non, elle est bien. Les gars, on marche, on tire. T'es-moi la pierre, c'est Nike. Une pierre là, je crois que c'est une pierre de diorite. Diorite. Chef cochon, j'ai trouvé un. Vas-y, comment on dit diorite? Quoi? Diorite? Oui. Non, diorite, c'est une pierre de quoi ça? Diorite? Oui. Diorite. Ok, là, on a une pierre de diorite. Diorite. Directeur? Je vous écoute. Première pierre. Elle est bien. C'est une diorite. Ma pierre où j'ai emmené, c'est de la... c'est du fer. Allez, on continue là, dépêchez. Chef cochon, je vous ramène. Oh, ça c'est un très beau caillou ça. Un caillou aiguille. Ok, parfait. On est sur du 1 caillou, 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux. Il nous en faut plus que 3-4 pour pouvoir mettre les plans à exécution et faire une base solide. Et combien là? 1 caillou, 2 caillou, 3 caillou. On va voir ce que ça donne. Monsieur, Rocaillou. C'est un Pokémon, Rocaillou? Nadim, il fait les plans. Les plans, montrez-nous les plans. Attendez, vous allez décider quelle main. La droite. 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 Non, on vous change. Non, la droite. Il change. Non, il change. Okay. Ouais, la droite. Non, rechange de main. Attends. Rechange, oui, voilà. Mais il a écrit sur sa main, ça peut pas changer. Il est à droite. Bah oui. Ouais. Il va mettre. Non, rechange de main. Mais ça, c'est à gauche, ça. Rechange. What? Ça, c'est à gauche. Attends, je vous fais. Vas-y, rechange. Mais cache, sinon on voit pas. Mais. Voilà. Petit caleçon. Et là, ouais, du coup, on a juste à prendre la gauche. Bah oui, du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Un caillou. Deux. Voilà, on va faire la base. Là, Nadim, alors, attends. Kenna. Droite. Ok. 20 20 cailloux. Bon, bah, on va chercher 20 mètres. La maison, 20 mètres. 20 mètres. Pour le toit, c'est 20 mètres aussi. Ah, ça va être. Et aussi pour le parquet, c'est pour aussi 20 mètres. 20 mètres aussi. Et les murs pour 20 mètres aussi. On a une base assez solide. Là, je pense que le vent ne peut pas la porter. Avec les moyens du bord, les chaussures. Hein. Oh, merci. Ah, pas le choix. C'est dur la vie. Comme ça. Ah, tu veux faire des pièces après? Faire des toilettes et tout. Hein. Okay, on a un bon début là. Mon gars, c'est pour toi, mon gars sûr. Attends, mets-le au milieu. On va voir comment il réagit là déjà. Est-ce qu'il kiffe ou pas? Est-ce qu'il rejoint son environnement? Oh, oh, oh. Non, je crois qu'il kiffe. Fais un petit lit peut-être. Hein. Ça, voilà, ça, c'est là, la porte. À l'abri de la pluie. Il est bien là. Ok. J'ai changé la maison. Comment ça, t'as changé la maison? J'y crois pas. Me dis pas que. Regarde, monsieur. Oh. Il kiffe déjà. Monsieur est attiré. Il va aller dedans. Ah, il a peur de la porte. Mais c'est parce que la porte elle est fermée, Nadim. Faut dû lui ouvrir la porte. Bah ouais, comment il rentre? Quoi ça, Nadim? C'est notre maison. Ça, c'est la maison. Attends, on n'a pas fini. Regarde, là, il va rentrer dans la maison, là. Non. Si. Tanguy, viens. Ah ouais, le toit. C'est une bonne idée, ça, pour le toit. On va laisser la porte ouverte parce que Tanguy il a peur de rentrer sinon. Parce que attends, on n'a pas fini la note. C'est une maison ou c'est une villa là? On est où là? Ah là, c'est. Là, on est à Marrakech là. Pose-le. C'est quoi ça? Vas-y, écarte-toi. Waouh. Il aime trop là. Il aime bien. Regarde. Tanguy, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Il aime bien, mais il a un peu. Oui. Voilà. Et en plus, il sent bon là. Bismillah. Papa, il a fait la moitié. On n'a pas encore fini. On va voir ce que papa il a fait. Parce qu'on lui a dit d'en faire une parce que deux cabanes, c'est mieux qu'une. C'est moi qui l'a fait. C'est toi qui l'a fait? Avec papa. Wow. T'as fait un truc de fou là. Oh. Attends. T'as fait un truc de fou. Wesh. Ah, il y a une fenêtre aussi. Oh, il y a même une petite fenêtre là. Mais non, papa, faut la mettre là-bas. Ouais, une petite fenêtre. Elle est incroyable. Hein. Frère, il a collé des trucs en toit et tout, genre. J'aurais fait la même. En vrai, la nôtre, elle est meilleure. Non, mais ça, c'est. Bah, en fait, nous c'est plus espacé. Mais il peut se faire attaquer. Nous, c'est naturel, nous. Ça, c'est à lui.
pour le manger. Ça, c'est pour boire l'eau. On va le coincer. Mais nous, elle est mieux, elle est naturelle. Elle est faite avec la nature. Nazim, t'en penses quoi? Nous, on a mis de l'amour. Oh là là. Alors là. Il y a même une deuxième fenêtre là-bas. Quand il aura 20 ans, le chat, comment il va faire pour rentrer? Alors que nous, elle est toujours ouverte. Viens, Mino, viens. Ah bah non, ah bah voilà. Parce que par la fenêtre, il est sorti par là. Attends, oh. Voilà, il s'habitue. Non, il aime pas. Si, 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 non, il aime. Regarde, il s'habitue. Voilà, il sort. Il sort direct. Il a toute la liberté. Okay, viens. Le chien, il est encore là. Tu veux une cabane, toi aussi? Ouais, là, c'est diamètre combien, là, Nadine, je pense? C'est diamètre 10. La nôtre peut-être, est meilleure. Si on décale ça comme ça, il a peut-être mieux aimé. Non, c'est pas elle la meilleure. Ça change tout, là. Là, c'est vrai que là, ça fait un peu plus ouvert, un peu plus. Là, c'est le petit bar. Attends. Voilà. Tu vois pas là? Coucou. Attends, si tu vois, ça va? Ça va, Tanguy? Ça, les gars, c'est les pros. C'est les pros, les gars. Ceux qui savent pas. Voilà, c'est le chat. Il bouffe là. Papa, papa, t'es mal à paire. Papa, papa, t'es mal les dents. Je pense que notre maison est meilleure. Non, qu'est-ce que tu fais? Nous, sur ce, on se casse. On attend que des mois rentrent. On va aller créer une autre cabane. Et en attendant, on aura le verdict de du capitaine. Mais je pense qu'on a gagné. Exactement. C'est naturel. Naturel, diamètre 21, on n'oublie pas. Non. Nadim. Ah, il écrit diamètre. Diamètre, parce qu'il faut pas les oublier. Ça, c'est bien joué, ça. Voilà. Ça, c'est super bien joué. Alors, t'as écrit diamètre, c'est... Attendez. Eh oui, les diamètres. 25 et... Moi, on a retenu là. Bien joué. Merci. Allez, à toutes. Bon, les mecs, comme vous l'avez vu, on a l'aéroport. Ça y est, les frérots, c'est la fin. C'est la fin du petit séjour. Retour au point de départ avec Zizou. Les frérots, avant tout, j'espère que vous avez kiffé ces petites vacances avec Tonton Demo, Zizou, Rémi, Nadim. Pour Tanguy, les gars, il y en a plein qui me demandent « Ouais, mais Tanguy, il va faire quoi maintenant ?» Vous inquiétez pas, les gars. Sac, là. La maison, c'est la maison à mon oncle. Mon oncle, il vit là-bas. Ne vous inquiétez pas, il va s'occuper de Tanguy. Maintenant, Tanguy vit l'intérieur. Pour les cabanes, je les ai pas vues. Je vous fais confiance. J'espère que la cabane de Tanguy, elle est bien. Ok. Parce que les gars, je suis arrivé la nuit. Du coup, moi, j'ai pas pu voir la nuit comment était la cabane. Bref, je vous fais confiance, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé, les frérots, ces petites vacances avec nous tous. C'est la première fois, du coup, les gars, que je fais ça sur la chaîne. Donc, une espèce de petite série où on part en voyage. Si vous avez vraiment kiffé, les gars, j'ai encore un petit truc de prévu prochainement. Ok. Là, je pense que je vais prendre quelques jours de repos, les frérots. Ok. Mais normalement, Zizou, on va repartir. Tandis pas plus peut-être les mecs qu'on va repartir tout de suite maintenant en camping. Ok, on va voir s'il y a beaucoup de likes sur cette vidéo, les frérots. Si vous avez kiffé tout ça, peut-être qu'on va repartir en camping. Rémi et Nadim, les frérots, ils sont en train de dormir. Du coup, voilà, là il est 2h, 3h du matin, je crois, un truc comme ça. On va rentrer en avion et les darons et Rémi et Nadim vont nous rejoindre en bateau comme pour l'aller. Zizou, un petit mot pour la fin. Allez, Barca 6 1979. Quoi? Non, mais frère, tu viens de dire là. Sachez que. C'est pas le discours du président, ça, chien. Tu vas pleurer? Non, pleure pas. S'il te plaît. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi. Merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette petite aventure. On se retrouve prochainement pour continuer cette aventure sur YouTube ensemble, les frérots. Prenez soin de vous. Bonnes vacances. Et puis, à très vite, mes frérots.